Premier couplet où j'explique mes motivations. Tu t'es déjà demandé pourquoi Tom n'attrapait pas Jerry, pourquoi Grominet n'avait pas encore bouffé Titi, pourquoi malgré l'utilisation de fabuleuses techniques, le coyote n'a jamais pu stopper le... Salaud de fate, ordure de fate, pourquoi faut-il toujours ridiculiser Patibulaire, les raptous et le capitaine Crochet? Serait-ce représentatif de notre société? Un vilain a beau essayer, il ne peut arriver. Salaud de fate, raclure de fate, comment ne pas devenir enfant frustré par ces questions, en passant son samedi devant la télévision, en attendant l'école comme on attend une punition? Flingada et Iti, me devrait-il pas une correction, voulant me décoller de cette étiquette? J'ai découvert un pouvoir aux multiples facettes pour échafauder la vengeance parfaite. Mon nom est Professeur Fate. Deuxième couplet où je dévoile mon plan maléfique. J'ai donc étudié avec une grande attention les différents secrets de notre civilisation et fini par trouver celui qui, sans solution, écrivait une prophétie sur une partition. Salaud de fate, ordure de fate, ne restez plus qu'à y attirer ce qu'on appelle le fleuron des aventuriers. Et quoi de plus facile que de se déguiser sur la ligne finale, enfin les devancer. Oh, c'était lui? Oui, c'est bien moi qui vous ai fait venir ici, moi qui ai fait revenir les anciens monstres à la vie. Et dans quelques instants, tout cela sera fini, car dans mes plans, les happy ends sont interdits. Vous faire mourir au pied de la pyramide secrète, vos questions sur ce qu'elle contient restant insatisfaites, vous subirez ainsi ma vengeance parfaite. Mon nom est Professeur Fake. Troisième couplet où je vous ôte la vie.